Moi, personnellement, je vais très très bien. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé. Ça va faire 2 semaines que je n'ai pas publié de vidéo, tout simplement parce que la première semaine, j'étais partie à Londres pour ceux qui me suivent sur Snapchat. D'ailleurs, mon Snapchat sera juste écrit juste ici. Et après, je suis allée chez mes grands-parents. Du coup, je n'ai pas eu du tout le temps de filmer des vidéos et de tout simplement les publier. Du coup aujourd'hui je reviens pour faire le Butter Slam. J'avais déjà fait une première vidéo qui était le slam avec la maïzena et il n'était pas compact, il était à l'eau. Du coup voilà, et du On va par coup contre bah commencer. C'est je vais prendre mon parti! petit agenda qui est ici. D'ailleurs je vous ferai un haul et il sera dedans et tout sera en barre d'infos si vous voulez l'avoir dans la prochaine vidéo qui arrivera. Alors d'abord il faut de la maïzena. Alors, comme ceci, de la maïzena de fleur de maïs. Il y en a une autre, c'est pour. Il y en a une autre, il me semble. Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais non, c'est pas la... ça sera pas la bonne. Il faut vraiment que vous preniez celle-ci. Ensuite, il vous faut du shampoing. Alors, moi, j'ai pris celui-ci. Hein. Voilà. Et de la crème pour le corps. Du coup, j'ai pris celle que je devais finir. Et puis, voilà. Ensuite, en. Du coup, je vais pas faire tout tomber non plus. Ensuite, en ingrédients, il faudra un bol et une cuillère. Et du colorant pour ceux qui veulent, mais moi je n'ai pas de colorant, du coup, je le ferai sans colorant. Alors, pour Voilà. commencer, excusez-moi pour le cadrement, mais je ne sais pas du tout comment bien mettre pour que vous voyez bien. Du coup, je mets comme ça, vous voyez quand même. Et tant mieux. Alors tout d'abord, j'ai regardé dans mon livre et il faut mettre du shampoing. Du coup, c'est parti. C'est n'importe sont les quantités, vous mettez n'importe quelle quantité que vous voulez. Alors voilà, j'ai mis le shampoing. Et ensuite, nous allons mettre la Maïzena. maïzena. J'ai mis la maïzena. Alors après vous mélangez et faites attention parce que si c'est trop liquide, il faudra que vous remettez de la maïzena. Alors Voilà. voilà, j'ai rajouté un peu de maïzena, et puis sauf après j'en ai mis trop, du coup j'ai rajouté du shampoing. Et normalement vous devez obtenir une pâte. Voilà. Alors ensuite d'avoir bien mélangé, vous allez rajouter la crème pour le corps. Alors moi je vais en mettre 2 pompes. Et je vais touiller. Après, si vous voyez que vous en avez trop mis, bah vous remettez de la maïzena. Et si vous voyez que c'est bon, là vous pouvez mélanger avec la main. Je rajoute un peu de maïzena. Ouh, je crois que ça va être bon. Ouais, là, c'est bon. Je peux prendre avec la main et commencer à Bon, la voilà, malaxer. Je me suis attaché les cheveux pour mélanger parce que merci à hein, je ne voulais pas avoir de la pâte partout sur les cheveux. Et en fait j'ai rajouté un peu de maïzena parce que je me dis que j'en ai peut-être pas assez rajouté. Alors j'en rajoute pas énormément, j'en rajoute un petit peu.
Voilà, et là, je vais commencer à m'alaxer. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Ah, j'ai peur. Ah, c'est bizarre. Et la lampe là, que vous pouvez voir là, la boîte lumineuse, je l'ai eu à Jiffy. Je vous avais fait un haul dessus. Comment vous dire que je crois que je n'ai vraiment pas vraiment beaucoup ajouté de la maïzena. C'est trop liquide. J'ai nettoyé ça, j'ai changé de bol parce que c'était trop crade. J'ai un peu rangé le matériel. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure, en fait, j'ai voulu le mélanger alors que tout simplement il était trop liquide. Du coup, ben ce qui fait que c'est que j'ai perdu de la pâte. Du coup, ben ce qui fait que ben c'est voilà, peut-être mettre un torchon pour passer encore en dessous parce que allez, c'est merci hein. Alors, pour vous montrer ce qui est. Alors la pâte elle est comme ceci. Du coup, c'est cool, je peux dire que j'ai réussi. Alors, je l'avais essayé l'autre jour. Elle était mieux, elle était plus grosse, mais je ne l'ai pas gardée. Enfin, c'était la même que voilà. Alors, ça c'est pas du slime fluffy, c'est du butter slam. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que dès que vous le cassez, bam, vous voyez bien que c'est pas fluffy. Du coup, je mets un peu de maïzena. Du coup, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, bah ouais, la maïzena, il n'y en a plus. Du coup, faut que j'en rachète. Voilà, comme tous les slimes, il faut d'accélérer malaxer, si c'est vous. passé. Du coup, voilà. Je continue à la malaxer pour qu'elle soit un peu plus. Et vous voyez pas, du coup, je vais vous mettre là. Je continue à la malaxer pour qu'elle soit un peu plus mieux. Et si vous refaites ce slime, comme je vous ai dit pire, tout vous à allez me l'heure, l'envoyer sur sur Instagram. Voilà. Sur Instagram, ça sera mieux. Alors voilà, je voulais quand même vous montrer ce slime parce que c'est avec des ingrédients qu'on a tous à la maison. Shampoing, crème pour le corps et de la maïzena. Voilà. Bon, ça colle toujours un peu, mais bon, je n'ai plus de maïzena, alors du coup, on va faire comme ça. Du coup, bah, je vous reprends après pour la fin de cette Du coup, vidéo. on se retrouve pour la fin de la vidéo. Alors, conclusion de... Décolle-toi! Bon, d'accord, il y a des bouts qui se l'enlèvent. Ok. Bon, Somme salie, ce après, serait bien. ça fait ça quand vous la cassez. Oups là. Elle se casse, vous la recollez, c'est super bien. J'adore toute la La matière. conclusion de cette pâte. Si vous la reproduisez, envoyez-la moi sur Instagram et non sur mon Snapchat. Comme ça, bah, ça serait beaucoup mieux pour que je le vois. Mon Snapchat sera juste ici, ainsi que mon Twitter qui sera tout en haut et mon Snapchat qui sera ici. Enfin bref, il sera sur l'écran et en barre d'infos. Mon ancienne vidéo pour la pâte slime Barre en maïzena d'infos. sera en... Et sur le petit i qui est ici. Ouais, il me semble que le petit i est ici. Du coup, voilà. C'était vraiment Et galère. super sympa, j'adore trop. Ensuite, vite fait, je vous dis aussi le Kimberly of Makeup qui est ici. Il est sur mon haul. Alors, si vous ne l'avez pas vu, mon haul sera dans le petit d'information et en barre d'infos pareil. Du coup, voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et Bye! couleur, what's the flame?